Bien, c'est l'été, et donc l'été, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous avez toujours un copain super sympa qui fait la bombe. Hein. Il saute du plus haut qu'il peut, du plongeon, hein, du 10 mètres par exemple, s'il est très courageux, et Dieu sait s'il est courageux, et il va arriver sur la surface du liquide qui est l'eau, évidemment, généralement on plonge dans l'eau, pas dans l'huile, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être soumis à une somme des forces extérieures que vous allez déterminer. Vous allez déterminer ces forces extérieures en fonction de petit g, de k qui est le coefficient de proportionnalité entre. Vous allez l'exprimer également en fonction de vz qui est quoi? Eh bien, qui est la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe z, et puis également de la masse m de ce brave homme et de la densité de l'homme qui est de 0,9. À vous! Bien, les trois forces qui s'exercent maintenant sur l'homme, hein, le système évidemment c'est l'homme. Le système c'est l'homme, on va étudier ceci dans un référentiel galiléen. Le repère, ben, il est là le repère, hein, c'est ROU2K. Voilà. Quelles sont les forces extérieures, donc la somme des forces extérieures agissant sur votre. Compagnon très rigolo, somme des forces extérieures, eh bien, il y a le poids P, il y a la poussée d'Archimède que je vais noter pi, et puis il y a la force de frottement F. Bon. Le poids P, hein, je vais le représenter ici, le poids P, il est orienté verticalement vers le bas, donc sa coordonnée suivant le repère OK, eh bien, c'est tout simplement plus mg de k. Pourquoi plus? Parce que le poids p est dans le même sens que le vecteur de k. La poussée d'Archimède, attention, c'est égal à quoi? À la masse, enfin au poids du fluide déplacé. Au poids de fluide déplacé. Donc c'est la masse de fluide déplacé fois g. Ça c'est le poids de fluide déplacé, c'est-à-dire l'eau, fois uk. Mais attention! Cette poussée d'Archimède, elle vous empêche de quoi? De vous enfoncer dans l'eau. Donc elle est orientée vers le haut. Ce qui nous donne la poussée d'Archimède pi vers le haut. Donc sa coordonnée suivant uk est bien négative. Et la force de frottement, eh bien, c'est moins k fois v, c'est-à-dire moins k fois vz fois u2k. Je vais mettre vz u2k. Vz, il est de quel signe? Eh bien, comme le vecteur vitesse, il va vers le bas. Eh bien, ce Vz sera positif, mais pour l'instant, on met Vz et non pas, surtout pas, norme de V. Il faut que j'exprime cette somme de forces extérieures, non plus en fonction de masse de fluide, mais en fonction de m. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, ici, la masse volumique de l'homme. Masse volumique de l'homme. C'est la masse de l'homme divisée par le volume qu'il occupe. Bon. La masse d'eau, masse volumique de l'eau, c'est quoi? Eh bien, ici, on a une certaine masse d'eau déplacée. Donc, c'est la masse d'eau déplacée. Donc, c'est la masse de fluide déplacée. Divisée par quel volume? Eh bien, c'est le volume grand V. C'est le même que le volume de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est complètement immergé dans l'eau. Donc, si je fais 70 décimètres cubes de volume, quand je suis dans l'eau, eh ben je vais prendre la place de 70 décimètres cubes d'eau. Bien. Si on fait le rapport des deux, masse volumique de l'homme sur masse volumique de l'eau, eh bien ça, c'est exactement quoi? La densité de l'homme. Qui vaut quoi? M sur V divisé par masse de fluide sur V. Les volumes. Ici, s'annule, ce qui nous donne la masse de fluide égale petit m sur la densité de l'homme. Réinjectons. On a donc pour la somme des forces extérieures, eh bien, mg u de k moins masse de fluide m
sur la densité fois g fois u de k. Moins kvz u de k. Et voilà pour la somme des forces extérieures qui agissent sur ce joyeux luron qui vient de tomber dans l'eau. Bien, je vais vous demander maintenant de trouver l'équation différentielle en vz en posant taux égale m sur k, taux en seconde. Donc vous trouverez cette équation différentielle et vous vérifierez surtout les unités. Pour faire ceci, en petite rotation, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que quoi? Principe fondamental de la dynamique, seconde loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement du solide par rapport au temps. Donc, la dérivée par rapport au temps de m fois v. Je peux sortir le m de la dérivée car ici m est constant, ce qui nous fait donc que la somme des forces extérieures est égale à m fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire m fois a. Et voilà. Bon. On réécrit ici la somme des forces extérieures, on va mettre uk en facteur, ça nous donne donc uk facteur donc de mg moins mg sur la densité de l'homme moins kvz qui est égal à quoi? M fois, eh bien le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ça on le sait, donc c'est la dérivée de vz fois u de k par rapport au temps. Et voilà. Alors, deux vecteurs égaux ont même coordonnées, ont des coordonnées égales. Donc ici, on va écrire quoi? On va déjà tout diviser par m. Voilà. M, j'aime, et m. Voilà. Et on va réécrire l'équation. Ça nous donne donc quoi? Ici, g facteur de 1 moins g sur dh. J'envoie le moins k sur mvz de l'autre côté, donc égal k sur mvz plus quoi? Plus dvz sur dt. Tiens! Voilà qui apparaît la fameuse équation différentielle du premier ordre en vz, qui lie vz à sa dérivée première par rapport au temps. Bon, hop là, il y a un petit 1 là. Donc, k sur m, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 sur tout. Autrement dit, on va l'écrire d'une façon suivante, de la façon suivante, dvz sur dt plus vz sur tout égale petit g facteur de 1 moins 1 sur dh. Allez, on vérifie les unités. La dérivée de vz par rapport au temps, c'est une accélération. C'est une petite variation de vitesse en mètres secondes moins 1 sur une petite variation de temps. Donc ça nous donne des mètres secondes moins 2. L'accélération, son unité, c'est le mètre seconde moins 2. Ici, on a des mètres secondes moins 1 divisé par taux, qui est un temps, ce qui nous donne bien des mètres secondes moins 2. Et petit g, vous savez que c'est l'accélération dans le cas du mouvement de la chute libre d'un objet sans frottement. Donc c'est forcément des mètres secondes moins 2. 1, évidemment, est sans unité. La densité, c'est un rapport de masse volumique. Donc c'est des kilogrammes par mètre cube divisé par des kilogrammes par mètre cube. Donc c'est sans unité. Donc mètre secondes moins 2 fois quelque chose sans unité. L'équation est bien homogène. C'est l'équation différentielle du premier ordre en vz. Troisième exercice du classique de chez classique que tout bon élève d'université ou de prépa doit savoir faire. Bon. On a trouvé l'équation différentielle en Vz, maintenant il faut trouver la solution de cette équation différentielle en Vz. Vous la chercherez et vous chercherez quelle est la vitesse Vz limite, hein, au-delà duquel on ne peut pas aller. Voilà, à vous!
Bien, pour faire ceci, il faut savoir résoudre cette équation. Alors, 1, je vais trouver la solution particulière, ici, qui correspond à quoi? À Vz égale constante. Eh bien, si Vz égale constante, la dérivée de Vz par rapport au temps est nulle. Pourquoi? Parce que la dérivée de Vz par rapport au temps, c'est Vz à l'instant 2, moins Vz à l'instant 1, sur T2 moins T1. Mais comme Vz à l'instant 2 est le même que Vz à l'instant 1, puisque la vitesse est constante, ça, c'est nul. Donc ça, ça fait égal à 0. Donc, on réinjecte. Vz vaut quoi en ce moment-là? Vz, la solution particulière de Vz, hein, je vais la mettre comme ça. Ça, ce terme s'annule, donc il nous reste quoi? Eh bien, taux fois g, facteur de 1 moins 1 sur dh. Densité de l'homme. Voilà. En 2, je vais trouver la solution générale sans second membre. Sans second membre, voici le second membre. Donc, solution générale sans second membre, ça revient à faire quoi? D de Vz sur dt plus Vz sur taux égale 0. On sépare les variables. Ça donne donc D de Vz sur dt égale moins Vz sur taux. Autrement dit, D de Vz sur Vz égale moins dt sur taux. L'intégrale de ceci est égale à l'intégrale de cela. Quelle est la primitive de 1 sur Vz? C'est ln de Vz. Donc on peut écrire que ln de Vz égale quoi? Quelle est la primitive de moins 1 sur taux? Moins 1 sur taux, c'est une constante, primitive par rapport au temps taux. Et bien c'est moins t sur taux plus une constante k. Exponentielle de ln de Vz, ça fait Vz. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, c'est la fonction inverse de la fonction logarithme népérien. Donc on a Vz égale quoi? Exponentielle de moins t sur taux plus k, ou ce qui revient au même, exponentielle de k fois exponentielle de moins t sur taux. Autrement dit, que vaut Vz? Solution générale sans second membre. Eh bien, ça vaut quoi? Ça, je vais l'appeler k. Ça, je vais l'appeler k prime. Ça fait k prime e puissance moins t sur taux. Voilà. La solution donc totale, hein, la solution, c'est égal à la solution particulière qui est ici, plus la solution générale sans second membre. Autrement dit, on a Vz qui est égal à quoi? Eh bien, k'e puissance moins t sur taux plus taux g facteur de 1 moins 1 sur dh. Comment trouve-t-on k'? Eh bien, avec les conditions initiales. À t égale 0, Vz vaut V0. Votre camarade, il arrive avec une vitesse V0 au moment de l'impact terrible avec l'eau. Donc, Vz0 égale V0. Et je remplace k' fois e puissance 0 qui vaut 1, plus taux g 1 moins 1 sur dh. À ce moment-là, eh bien, ça me donne quoi? Eh bien, k' égale V0 moins taux G, 1 moins 1 sur dH. Voilà. On remplace la valeur de K' là-dedans, ce qui nous donne donc Vz égale K', bah, c'est V0 moins taux G fois 1 moins 1 sur dh, exponentielle de moins t sur taux, plus taux g, facteur de 1 moins 1 sur dh. Voilà. Alors, Vz, c'est en mètres secondes moins 1. Je vérifie toujours les unités. Hein. Ici, on a du mètre secondes moins 1, donc tout va bien. Taux g, c'est des mètres fois g, qui est une accélération mètre. Taux, pardon, est en seconde fois des mètres seconde moins 2. Seconde fois mètre seconde moins 2, ça nous donne bien des mètres seconde moins 1.
ceci est sans unité. Et là, on a à nouveau des secondes fois des mètres secondes moins 2, ce qui nous donne bien des mètres secondes moins 1 fois quelque chose qui est sans unité, on l'a vu précédemment. Mon expression est juste. À vous de trouver la vitesse limite, ça ne va pas être trop dur. Bien, alors, juste pour faire cette petite application numérique, les limites, il va falloir que je vous donne la masse quand même de ce personnage, hein, 80 kg, et puis K égale 250 kg seconde moins 1, coefficient de proportionnalité entre la force de frottement et la vitesse. Allez, à vous de jouer. Bien, alors, vitesse limite, dis donc, ouais, vitesse limite, c'est quand T tend vers l'infini. À ce moment-là, E puissance moins T sur tau, ça tend vers quoi? Eh bien, ça tend vers 0. Donc, tout ce terme s'annule. Donc, VZ limite vaut quoi? Eh bien, tau fois G, facteur de 1 moins 1 sur DH. Si on fait le calcul, ça nous donne donc VZ limite égale tau, on a vu c'est M sur K, donc 80 sur 250. Fois 9,8, facteur de 1 moins 1 sur 0,9 pour la densité de l'homme. Ce qui nous fait pour VZ limite, moins 0,35 mètres secondes moins 1, à peu près. Alors qu'est-ce que ça signifie ceci? Si la vitesse VZ limite est négative, sa coordonnée en tout cas, eh bien, ça signifie tout simplement qu'à un moment donné, eh bien, le plongeur il va arriver ici jusqu'à une vitesse nulle, et puis il va commencer à remonter. Et puis, quand la somme des forces extérieures sera égale au vecteur nul, sa vitesse sera constante, elle sera de, en norme, 0,35 mètres par seconde. Voilà, à un moment donné, quand on est au fond de la piscine, hein, bah, un petit coup de talon, puis on remonte. Hein. Et ouais.